Bonjour, encore une fois, chers apprenants, chers élèves. Monsieur Bogui Célestin, professeur de physique-chimie au lycée modèle de Boutou de Dabou. Ce matin, je viens encore vous donner quelques notions, quelques rappels sur le circuit RLC-C, en cas de terminal C et D. Alors, avant de vous donner les sujets à traiter, on va faire quelques rappels. Le cycle RLC série. Dans le cycle RLC série, nous avons le R qui représente la résistance dans le cycle. La résistance, je veux dire, du conducteur unique. Le L qui représente l'inductance de la bobine. Et le C qui représente la capacité du condensateur. Alors, il me fallait donc, je me devais vous rappeler cela parce que comme titre, c'est du RFC. Donc, l'un de comprendre, vous devez connaître ce que c'est que le R, qui est un symbole, le L et le C. Il faut dire que la résistance s'exprime en ohm. Et le symbole est là. L'inductance en ohm. Et la capacité en farad. Ainsi que série, il faut dire que c'est un alignement ou bien c'est une mise dans un circuit d'un conducteur unique, d'une distance et d'une capacité, et tous, n'est-ce pas, traversés par la même intensité du courant. Dans le circuit série RLC, nous avons la tension UDT qui est fournie par le générateur dans l'expression est donnée par l'équation UDT égale UM cosinus oméga T plus c'est la force que donne le générateur au circuit. Et la réponse, nous avons I de T, qui est aussi une fonction sinusoïdale du temps. I donc est égal à IM cosinus oméga T. Alors, il faut dire que le phi qui est là, enfin, cette grandeur nommée phi, est la phase de la tension U par rapport à l'intensité I du courant qui traverse le circuit. Je vais noter. Phi est la phase de la tension U par rapport à l'intensité I du courant dans le circuit. Il s'exprime en radian. Il s'exprime en radian qui est un, ça veut dire c'est un angle.
Alors, ici, comme on dit par rapport à I, tel que l'écriture de I est donnée là, nous avons la différence de phase de I, que nous allons supposer nu. Alors, on détermine la différence de phase de U par rapport à I. Ensuite, nous avons deux grandeurs, oméga. Oméga, qui est la pulsation. La pulsation de la tension et aussi de l'intensité qui s'exprime en radian par seconde. Ça veut dire que c'est une vitesse avec communément vitesse angulaire. Quelle autre grandeur encore? Nous avons UM. Alors, c'est des notions qu'il faut connaître parce qu'à l'examen, on vous les demande comme ça. C'est-à-dire, on vous donne l'expression, et on vous demande de donner les 20 caractéristiques de ces grandeurs, c'est-à-dire de U et de I. Donc, il faut les connaître par cœur. Nous avons UM qui représente la tension maximale. De la tension. Évidemment, c'est une tension donc excessivement en vol. Nous avons également IM qui représente l'intensité maximale dans le circuit. L'intensité maximale de I dans le circuit. Comme je dis, c'est des grandeurs qu'il faut connaître, qu'il faut donc maîtriser. Évidemment, l'intensité s'exprime en ampères. Voilà. Donc, dans un circuit RLC, nous avons là la tension au bord du générateur et l'intensité dans le circuit. Alors, d'où vient le circuit RLC série? Et dans le coup, généralement, on ajoute un sinusoïdal forcé. Nous disons que c'est forcé parce que dans le circuit, nous avons un conducteur ohmique qui, par sa présence dans le circuit, crée des pertes d'énergie dans le circuit. C'est-à-dire que l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Alors, pour que le circuit soit toujours sinusoïdal et périodique, d'accord, on a joint un générateur au bord du dipôle RSC série. De sorte que le générateur, avec sa tension, qui vient avec sa pulsation, va donc permettre au circuit de osciller de façon sinusoïdale. C'est-à-dire que la tension qui est là, avec le générateur bien entendu, va donc obliger le circuit à résonner. C'est pour cela que nous parlons de circuit RLC sinusoïdal forcé. Alors, nous allons continuer avec le rappel, toujours. Après la notion de tension et d'intensité, nous avons d'autres grandeurs qu'il faut connaître. Il s'agit de la tension efficace. La tension efficace. Alors, généralement, on note U. Dans certains bouquins, vous allez voir, ils vont mettre UE. Dans le bouquin, vous allez voir, ils vont mettre U, F comme ça. D'accord? Ça veut dire que ça dépend du bouquin, ou ça dépend de l'ES. En tout cas, ça veut définir la tension efficace. La relation entre la tension efficace
et la tension maximale que nous avons définie tout à l'heure est que la tension efficace est égale à la tension maximale sur racine de 2. La tension efficace est égale à la tension maximale sur racine de 2. À côté de cette tension, nous avons aussi une intensité efficace, qu'on peut noter I, grand I, comme ça, ou bien IE, ou bien IF. Qui est aussi le rapport de l'intensité maximale sur racine de 2. Il faut savoir que la tension efficace est mesurée à l'aide, n'est-ce pas, d'un voltmètre. La tension efficace est mesurée à l'aide d'un voltmètre. On peut aussi prendre un multimètre et le régler en voltmètre pour pouvoir mesurer notre tension. L'intensité efficace mesurée à l'aide d'un ampèremètre. Alors, je précise ça parce que dans un exercice, l'énoncé n'est pas obligé de vous dire que le I, là par exemple, est l'intensité efficace. On peut vous dire que vous avez une intensité qui est mesurée à partir mais à l'aide d'un ampèremètre. Donc, c'est à toi l'élève de savoir que cette grandeur-là est l'intensité efficace. C'est pareil pour la tension efficace. Je note aussi également, on dit que la tension maximale et l'intensité maximale, ces deux grandeurs-là sont mesurées à partir d'un oscilloscope. Très bien. Donc, voici les quelques notions. On va continuer parce que l'exercice que je vais vous proposer nous permet donc de voir plein de choses. Donc, il faut que je vous donne encore d'autres informations. Je vais parler de l'impédance. L'impédance. Noté Z, grand Z. L'impédance, c'est le rapport de la tension maximale sur l'intensité maximale. Et comme il y a une relation entre la tension maximale et la tension efficace, ou bien l'intensité maximale et l'intensité efficace, on continue pour dire que l'impédance Z est aussi égal à la tension efficace sur l'intensité efficace. Alors, il faut dire que c'est une grandeur qui est proportionnelle à la tension maximale et l'intensité. Du moins, c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité. L'impédance, donc, s'exprime, comme je dis, l'impédance. Impédance Z, alors c'est vraiment en ohm. Tout comme la résistance d'un conducteur ohmique. Autre grandeur que nous allons sûrement exploiter, j'ai parlé de la phase de la tension par rapport à l'intensité. Alors, dans l'exercice que nous avons proposé, cette phase-là sera donc déterminée graphiquement. Alors, son expression est donnée en valeur absolue. Donc, je vais appeler la phase de U par rapport à I, qui est égale à 2π tau
sur T. 2 pi tau sur T. Le taux, c'est quoi? Le taux qui est là est appelé décalage. Horaire. Entre la tension et l'intensité. Évidemment, il s'estime en secondes. Le grand T est la période des oscillations. Le T, grand T là, est la période des oscillations. Et effectivement, cette période aussi s'exprime en secondes, tout comme le décalage horaire. En secondes. D'accord? Alors, on va continuer. Toujours, on a parlé de l'appel. Alors, pour que je vais noter encore. Alors, nous avons la tension maximale, l'intensité, l'impédance, la période. Qu'est-ce que je vais noter? Alors, il ne faut pas que je oublie ça. Regardez un peu. J'ai dit que si vous avez U qui est égal à UM cosinus oméga t plus phi, alors le I est exprimé comme suite. Cosinus oméga t. Mais on peut aussi avoir U qui est égal à UM cosinus oméga t. D'accord? Vous voyez que là, il n'y a plus de plus phi. C'est-à-dire, on suppose que la phase de U là est égale à 0. En ce moment, donc, vous avez I qui s'exprime comme cette équation. I est égal à IM cosinus oméga t plus phi prime. Ici, je vais appeler phi prime. Et ce phi prime là, il a un nom. C'est la phase de I par rapport à U. Ici, je l'ai dit, le phi qui est là, c'est la phase de U par rapport à I. Ça dit que phi est égal à la phase de U par rapport à I. Le phi prime, c'est la phase de I par rapport à U. Ce qui est intéressant, c'est que phi prime est égal à moins phi. C'est-à-dire que si vous connaissez la phase de U par rapport à I, alors vous connaissez aussi la phase de I par rapport à U. Il suffit de mettre un moins. Alors, pour te dire notre exercice, je pense que on a encore une autre expression qu'il faut que je vous montre. On a commencé pour dire que c'est un circuit RSC. Alors, je vais le représenter. Vous avez dans le circuit, vous avez R, ça c'est le symbole de R. Ensuite, vous avez le L, c'est-à-dire la bobine, avec le symbole de la bobine. Et nous avons C, le symbole du condensateur. Donc là, on a R, L, C.
Dites que vous avez là un circuit RSC-CD. C'est un dipôle, parce que il a une entrée et une sortie. Il a deux bornes. Au bord de ce dipôle-là, nous ajoutons un générateur de courant alternatif. De tension alternative. Généralement, on met GBF ou bien on peut avoir ce symbole là-dedans. D'accord? Pour dire que c'est une tension sinusoïdale. Alors, cette tension, pardon, ce générateur, a donc à savoir une tension U. Et vous avez le circuit qui est traversé par une intensité I. Vous avez donc là les différents récepteurs. Alors, le générateur, c'est celui qui fournit. Et vous avez là les différents récepteurs. Nous avons le pointeur B. Donc, nous avons la tension UR. Ensuite, la bobine. Nous avons la tension qu'on va appeler UL. Et nous avons le dernier qui est notre condensateur de capacité C. On va appeler ici. Alors, c'est des petites tensions. Voilà. Donc, voici notre circuit série. Nous voulons visualiser la tension au bord du générateur. Pour cela, nous mettons ce symbole dans le circuit. Quand vous voyez dans le circuit, un symbole comme celui-là, il désigne simplement la masse. La masse dans un circuit, dans une installation, il faut dire que c'est le fluide, n'est-ce pas, le courant, qui va donc dans le sol, dans la terre. Et c'est à partir de ce point que nous déterminons les différentes tensions au bord de différents dipôles. Alors, si nous voulons visualiser la tension au bord du conducteur oblique, nous avons ce symbole-là. Ça, c'est un fil. Hein? Donc, ce symbole, il peut être n'importe où. Il peut être là, là, là ou bien là. Donc, ça dépend du lieu. Comment tu voudrais qu'il soit passé. Alors, donc, nous avons ici. Si nous voulons visualiser la tension au bord du conducteur oblique, alors, vous voyez bien, on place le conducteur oblique entre l'entrée de l'oscilloscope et la masse. Donc, on place là. Ça, c'est l'entrée. On peut l'appeler Y1. D'accord, c'est un nom qu'on peut. Dernier, on peut l'appeler Y1. On peut l'appeler Y2, pourquoi pas. Mais on peut l'appeler aussi X1 ou bien X2. Ou bien, ils sont peut-être voie A, voie B, ou bien voie 1, voie 2. Donc, ça dépend de lui qui fait son ES. Ensuite, la tension au bord du générateur. Alors, on vient là. Et on met, comme là-bas, il y a mis 1, donc là, je vais mettre 2. C'est juste des symboles. Comprenez bien cela. Si on veut visualiser la tension et donc l'intensité dans le circuit, on place notre conducteur ohmique. Puisque dans le conducteur ohmique, la tension est proportionnelle à l'intensité. Donc, on place le conducteur ohmique entre une des voies de l'oscilloscope, c'est-à-dire une voie d'entrée, Y1, et la masse. Pour visualiser la tension au bord de l'ensemble et donc du générateur, on place le générateur entre la voie sur laquelle nous voulons visualiser notre tension et la masse. Donc, la tension U est donc visualisée par la voie Y1. C'est très important pour la science. D'accord? Alors, à côté de cela, vous avez d'autres notions. Hein? Vous avez donc d'autres notions. Comme je dis, la période. La relation entre la période et la fréquence, c'est le nom que je donne. Alors, la fréquence, on peut l'appeler petit f ou bien
maintenant n, ça dépend. D'accord? Donc, on va faire la relation entre la période de t et la fréquence n, n'est-ce pas, de notre tension. Il faut dire que la fréquence s'exprime en s, la période, donc on a dit que s s'exprime en seconde. Ensuite, après ça, vous avez aussi la relation entre la période et la pulsation. Donc, vous avez t qui égale à 2π sur oméga, etc. Évidemment, quand vous travaillez sur cela, vous avez aussi une relation entre la fréquence et la pulsation. D'accord? Voilà. Alors, je pense que déjà, cette notion-là, rappelée, peut nous permettre de préciser notre exercice. D'accord? Donc, on va passer à notre exercice. Alors, si dans l'exercice nous avons d'autres notions, je vais les rappeler. Alors, donc, je vais passer. Alors, peut-être que c'est une leçon qui est assez bonne. Dans cette partie, il faut voir la tension sinusoïdale, le sinus lui-même. Mais à côté, il faut voir la résonance, il faut aussi voir la puissance. Alors, donc, ce matin, on va seulement traiter la première partie. C'est-à-dire comment déterminer la période, comment déterminer la tension maximale, la tension inefficace, et puis représenter ou bien donner l'expression de la tension en fonction de T ou bien de l'intensité en fonction de T. Et la prochaine fois suivante, nous verrons donc les deux parties qui sont pratiquement liées. Alors, je vois le prochain nombre que la première leçon. Donc, alors, donc on va passer à notre exercice. Donc, exercice. Alors, juste pour avoir quelques notions sur, pour mémoriser ou bien pour comprendre ce que nous venons de donner, comme rappel. Ah, donc je vous lis l'exercice. Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves de niveau terminal d'une école d'Abidjan se propose d'établir l'expression de l'intensité I, petit I, du courant électrique en fonction du temps. Pour cela, il réalise sous la supervision de leur professeur de physique le dipôle MN constitué de l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R1, d'une bobine d'inductance L et de résistance L2, d'un condensateur de capacité C. Ils alimentent ce dipôle par un générateur qui impose une tension alternative sinusoïdale. U est égal, alors je vais mettre U là, U donc est égal à Um cosinus oméga t. Alors, vous l'avez très bien des différentes équations que j'ai données dans le rappel. On voit bien que le U est égal à Um cosinus oméga t. Ça veut dire que le phi n'est pas là. Donc, tout cela est déterminé à partir de notre tension sinusoïdale. Et il branche un oscilloscope bicourbe en vue de visualiser la tension U1 au bord de R1, voie A, ici, par exemple, je mets voie A, et la tension U sur la voie B, voie figure.
Alors, je suis obligé de représenter donc la figure. Donc, nous avons là un cycle RLC, série. Alors, nous avons le condensateur. Ensuite, la bobine. Ensuite, le conducteur au milieu. Alors, le condensateur, il faut faire attention. Voilà. Donc, nous avons un circuit, et ça, c'est le générateur G. Conducteur au milieu R1, de résistance 40 ohms. Ensuite, une bobine d'inductance L et de résistance interne R2. Et là, nous avons le condensateur de capacité C. Alors, ça c'est la voie N. Là, nous avons M. Et puis donc, nous avons la masse. La voie A. La voie B. Voilà. Voici donc notre circuit RLC. Ça, c'est la figure 1. D'accord. Alors, vous avez, n'est-ce pas, les différentes grandeurs, hein, les données, R1, C, et puis les différentes voies de l'oscilloscope. À la figure 2, nous avons les oscillogrammes. Nous avons la voie A et la voie B. Et puis, nous avons donc les questions. La question petit 1. Petit 1. Donne la définition du courant alternatif. Donne la définition du courant alternatif. Petit 2. Cite les grandeurs visualisées sur les voies de la figure 1. Cite les grandeurs visualisées sur les voies de la figure 1. En 2-1, sur la voie A. En 2-2, sur la voie B. Petit 3. Détermine à l'aide de la figure 2. Alors, il faut dire que ça, c'est la figure 1. Détermine à l'aide de la figure 2. 3-1, la période T. 3-2, la pulsation oméga de la tension et du courant. 3-3, la tension maximale UM de la tension U, le petit U évidemment. 3-4, l'intensité maximale IM de l'intensité I, petit I, du courant dans le dipôle FN. 3-5, l'impédance Z du circuit RLC. 3-6, la phase phi de U par rapport à I. La phase phi de U par rapport à I. Petit 4, écris l'expression de I, petit I, comme je l'ai dit, en fonction du temps. Écris l'expression de I en fonction du temps.
Voici donc notre exercice que nous allons résoudre. Alors, je pense que vous avez suivi. Ce que je vais faire, je vais représenter la figure 2 en miniature. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons 10 carreaux. En regardant le carré. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Dans notre axe. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Alors, la première courbe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 1, 2, 3. Et puis ensuite, nous avons l'autre qui fait 2. 2 courbes sur nos 2 voies. Alors je vais mettre ça en français pour que ça puisse bien voir. Voilà. Donc ça c'est la voie A. Ok. Donc nous avons figure 2. Voilà. Donc voici l'autre figure. Donc, je reprends le questionnaire. Petit 1, donne la définition du courant alternatif. 2, cite les grandeurs visualisées sur les voies de la figure 1. 2, 1, sur la voie A. 2, 2, sur la voie B. Petit 3, détermine à l'aide de la figure 2 la période T, la pulsation oméga, la tension maximale, l'intensité maximale, l'impédance Z, et la phase
et en petit 4, écrit l'expression de I en fonction du temps. Voilà. Donc, voici notre exercice. J'espère que vous avez bien suivi. Je vais vous donner une à deux minutes juste pour essayer de regarder la première question et voir comment répondre. D'accord, on y va. Alors, on va donc répondre. Petit 1, donne la définition du courant alternatif. Alors, comme réponse, on dit quoi? Un courant alternatif est un courant dont l'intensité est une fonction sinusoïdale du temps. D'accord. Alors, comme c'est une définition, c'est là que je ne comprends pas. Alors, il faut dire que c'est une fonction sinusoïdale du temps. D'accord. Donc, S est sigma, cette formule, on va dire que I est égal à Im cosinus de oméga t. D'accord. Puisque c'est une fonction sinusoïdale, alors les fonctions sinusoïdales ici, on a mis cosinus, mais on peut mettre sinus, hein, ça j'aime pas. Voilà. Mais ici, on prend la partie réelle, puisque en physique, la partie qui est mieux quantifiée est la partie réelle. C'est un nombre complexe. Alors, donc vous avez I qui est égal à Im cosinus oméga t. Petit 2. Cite les grandeurs visualisées sur les voies de la figure 1. Donc la figure 1. Cite les grandeurs visualisées sur les voies de la figure 1. Et nous avons deux questions. En 2, hein, on me dit sur la voie A. Alors, la grandeur visualisée sur la voie A. Je l'ai dit en introduction ou bien en rappel que pour déterminer la grandeur qui est visualisée sur une des voies, il suffit de remarquer le dipôle qui est placé entre la masse et notre voie qui est définie. Vous regardez le dipôle qui est placé entre la masse, parce que le symbole de la masse, et notre voie définie. Alors ici, on demande de donner la grandeur qui est visualisée entre la voie, de la voie A. Donc on regarde, on a la voie A et une nouvelle masse. Et bien ici, nous avons le conducteur au mix. C'est-à-dire que on va déterminer la tension au bon de l'endom. Donc nous avons sur la voie A, d'accord, la grandeur visualisée, sur la voie A, la grandeur visualisée est la tension UR. Alors c'est un nom, puisque là il s'agit du moteur UR1, du deuxième R1. Donc, on va appeler cette tension la tension UR1. D'accord? La tension UR1. Ou l'intensité. Ou l'intensité du courant.
Pourquoi l'intensité du courant? Parce que, je l'ai dit en rappel, que la tension au bord du bordeaux mine et l'intensité du courant dans le circuit, ces deux grandeurs-là sont proportionnelles. Et R est le coefficient de proportionnalité. C'est pour cela que c'est vrai, c'est la tension UR1 que nous visualisons. Mais vous pouvez voir que dans le raisonnement, on va plutôt, n'est-ce pas, raisonner avec l'intensité I. On revient au même résultat. 2-2. Sur la voie B. Sur la voie B. Je reviens encore sur la voie B. J'ai dit que pour déterminer la grandeur qui est visualisée, c'est-à-dire la tension qui est visualisée, il faut regarder la voie et la masse. La voie et la masse. On vous dit la voie B. Donc, au niveau de la voie B, nous avons tout ce circuit-là qui se situe entre la voie B et la masse. Nous avons le condensateur, la bobine et le contour. Et comme les deux tensions, c'est-à-dire la tension au bord du générateur et la tension au bord de l'enfant, les deux tensions sont égales, alors sur la voie B, nous visualisons la tension au bord du générateur. Donc sur la voie B, on note que la grandeur qui est visualisée est la tension U au bord. Au bord du générateur. Au bord du générateur. Alors ici, je n'ai pas écrit, mais je l'ai dit, quoi. Alors, c'est la tension UR au bord du conducteur ohmique R. D'accord ? Au bord du conducteur R. Ici, là, c'est au bord du générateur. Donc voici nos deux réponses, sur la voie A et sur la voie B. Petit 3. Détermine à l'aide de la figure 2 la période T. Détermine à l'aide de la figure 2 la période T. Alors, nous avons là deux courbes. Alors, il faut noter que ces deux courbes-là ont la même fréquence, donc la même pulsation et donc la même période. Donc il suffit de prendre une courbe ou bien d'utiliser une courbe et d'examiner la période et vous avez la période pour les deux en même temps. Alors nous allons prendre quelle courbe? Une courbe qui est beaucoup plus facile. Alors nous prenons la courbe B, c'est-à-dire cette première courbe-là, qui est juste au-dessus. Alors, pour déterminer la période, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que la période, c'est la durée pendant laquelle, n'est-ce pas, le système exécute la même chose. Alors, nous avons là ce premier point, il faut maintenant retrouver tout au long de ce parcours, il faut retrouver ce même point-là sur notre figure. Alors, quand nous parcourons la courbe, nous sommes là sur l'axe des axes. Donc, ici la courbe monte. On y va. Arrivé à ce niveau, on constate que nous sommes aussi sur l'axe des abscisses. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que la courbe est en train de descendre. Alors qu'au début, là, la courbe est en train de monter. C'est vrai, les deux points sont sur le même axe des abscisses, mais ils ont les différentes positions. Puisque là, ils sont en train de monter et là, ils sont en train de descendre. Alors, on continue. Jusqu'à retrouver le même point. Vous voyez bien? Nous tombons donc sur ce point. Alors cette fois, nous sommes toujours sur l'axe des abscisses. Mais Dieu merci,
nous sommes en train de mentir. On dit que le point, la clé définie, est celui-là. Ce sont les deux points les plus proches et qui se ressemblent. Alors, pour déterminer la période de notre tension, il suffit de compter le nombre de divisions entre ces deux points. Nous avons là, comme les divisions, ici, ce sont les carreaux que j'ai mis. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 carreaux. C'est-à-dire 10 divisions. Je reprends. À partir du premier point et du deuxième point, les deux points qui se ressemblent. Alors je compte 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 carreaux. C'est-à-dire 10 divisions. Donc, avec l'échelle, notre période ici là fait 10 divisions multipliées par. Alors, dans les signes, vous allez voir, c'est bien mis. Le réglage, c'est-à-dire le balayage horizontal là, c'est bien mis 1 millisecond par division. Donc, nous multiplions le nombre de divisions qui est 10 par l'échelle. L'échelle là, ils ont mis 1 millisecond. Donc, nous avons la période qui est là, 10 millisecondes. Comme je l'ai défini dans la partie rappel, la période s'exprime en secondes. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Pour noter que 10 millisecondes en secondes, ça va nous donner, soit de nous donner ça en forme de puissance, ou bien vous divisez cette grandeur-là par panier. Donc, nous aurons 0,00 secondes. D'accord? Donc, vous divisez 1 par 1000, on a dit, il s'est déplacé la durée de 3 rangs, donc 1 rang, 2 rangs, 3e rang, et vous mettez donc la durée. Donc nous avons là T égale à 0,1 seconde. Ensuite, en 3-2, ça c'était 3-1. En 3-2, les juges demandent de déterminer la pulsation. Alors dans les rappels, j'ai donné la relation entre la période et la pulsation. On va donc noter que la pulsation se nomme oméga. Qui égale donc à dpi sur t. Alors, il faut encadrer. Application numérique. Alors, je le mets là. Application numérique. On a oméga qui est égal à dpi sur 0,0. Alors, le calcul est fait. C'est toujours simple. Hein? Alors, diviser un nombre par 0,01, c'est de multiplier par 100. Donc, nous avons 2 fois 100, ça veut dire 200 pi. Alors, soit vous laissez ça comme ça, soit vous remplacez le pi par son expression. Le pi, c'est qui fait 3,14, ou bien vous arrivez sur la machine et vous avez la vraie valeur. Sinon, vous pouvez utiliser l'oméga sous autre forme. Alors, l'unité de l'oméga, on a dit, c'est en radian par seconde. Voilà. Donc, voici déjà l'autre grandeur du petit trou. Alors, vous voyez que c'est des choses simples. Quand tu les connais, l'exercice, tu vois rapidement. Et à moins de 30 minutes, tu fais de l'exercice et tu as fait 5 points. Trois fois. Toujours graphiquement, on demande de déterminer la tension maximale UL de la tension petit U. On a dit que la voie B nous permet de visualiser la tension au bord du générateur. La voie B nous permet de déterminer ou de visualiser la tension au bord du générateur. Et je l'ai bien expliqué, dit que puisque entre la voie B et la masse, nous avons le générateur. Tout comme là, nous avons le circuit série RLC. Donc, déterminer la tension au bord du générateur, c'est la même chose que la tension au bord de l'ensemble des dipôles RLC. Alors, sur le graphique, la voie B, c'est notre groupe qui est là.
La valeur maximale, on regarde l'amplitude, c'est-à-dire le sommet de notre courbe. Alors, c'est ce point que je note. Quel est le sommet? Je vais définir ici la valeur maximale. Nous avons là l'axe de l'abscisse. C'est-à-dire que c'est l'axe qui divise notre courbe en deux parties. Une partie maximale, c'est-à-dire vers le haut, et une partie vers le bas. Alors, pour déterminer si la valeur maximale, on regarde le sommet, comme je l'ai dit, et on compte le nombre de divisions entre l'axe de l'abscisse et le sommet. Quand on dit division, il s'agit donc du nombre de carreaux. Donc nous avons là 1, 2 et 3. On suit bien, on regarde le sommet et l'axe des abscisses. Et on compte le nombre de carreaux. 1, 2, 3. On dit bien la tension, c'est-à-dire qu'il faut bien regarder la courbe, c'est la courbe B. 1, 2 et 3 divisions. Alors, on y va, la question 3-3, la tension maximale, on va la noter UM. On a compté le nombre de divisions qui fait 3. On multiplie cette grandeur-là par l'échelle. Dans l'exercice, on vous dit échelle inverse par division. Ça veut dire qu'un carreau là fait 1 volt. Donc 1 volt, 1 volt, 1 volt, etc. Donc on va multiplier les 3 là par 1. Et nous avons 3. 3 par 1, ça fait 3 volts. Nous avons donc la valeur de notre tension maximale. On continue. La question 3-4. On demande de déterminer l'intensité maximale. Vous voyez, c'est simple. Ici, je vais effacer. On a dit que sur la voie A, nous visualisons la tension UR1. UR1, c'est-à-dire la tension au bord du conducteur ohmique. Donc cette tension-là. UR1. Visualiser la tension UR1 nous permet également de visualiser l'intensité du courant. Je dis pourquoi? Parce que UR1 est proportionnel à l'intensité. Et avec cette grandeur-là, nous déterminons l'intensité maximale. Pour répondre à notre question, il faut d'abord trouver la valeur maximale de la tension au bord du conducteur. Encore une fois, on va servir de notre figure. Donc, la tension maximale qu'on va noter UR1 max. On retourne donc à vos oscillateurs qui sont là. La voie B, c'est-à-dire la courbe B, c'est la tension au bord du générateur. Et donc, on va regarder la courbe A, ce que j'appelle ici A. Alors, c'est l'autre, c'est la deuxième courbe. Vous voyez bien là, regardez bien, c'est le coup. On va déterminer la tension IR1 max. Encore une fois, on va regarder le sommet. Nous avons là l'axe de l'abscisse. On regarde le sommet. C'est ce point. N'est-ce pas que j'avoue là? Et on compte le nombre de carreaux. Le nombre de divisions, c'est pareil. Donc, on compte 1, 2. Je reprends 1, 2. Donc, ici, pour atteindre le sommet, nous avons 2 divisions. Alors, IRM max est égal à 2 divisions multipliées par l'échelle. Et comme les deux tensions ont la même échelle, c'est-à-dire que je vais donc multiplier les 2 par 1. Donc, nous avons là. Ça, c'est la tension maximale au bord du compteur ohmique R1. On va finir, puisque l'objectif, c'est déterminer l'intensité maximale. On a dit que la tension maximale au bord du compteur ohmique et l'intensité, les deux étaient proportionnelles. Et on va appeler R1 le coefficient de proportionnalité. Donc nous avons UR1 max est égal à R1, il faut bien préciser R1,
Puisque dans le circuit, nous avons R1 et R2. On peut faire attention. Donc, UR1 est égal, pardon, UR1 max, c'est ça, égal à R1 fois I max. Avec cette équation, on va nous tirer le I max. Donc, I max égal à UR1 max sur R1. Voici donc l'expression qui nous permettra d'obtenir, de calculer notre intensité maximale. Application numérique. Alors, cette question elle est un peu plus longue parce que là, nous devons passer par la tension maximale. Alors, UR1 max, on a mis 2. R1, sur la figure, c'est bien mis 40 O. Donc, on va donc diviser 2 par 40. Alors, 2 divisé par 40. Je pense que ça fait la moitié. Et ça fait la moitié fois 10. Donc, ce qu'on va faire là, ça va faire 0,05. C'est bien ça. Alors, 2, ça fait 0. Après, ça fait 20 ici. Ça fait 10,0. Après, 200, ça fait 5. Donc là, nous avons 0,05 ampères. Alors, pas bien l'unité. En physique, quand vous faites un calcul, il faut toujours préciser l'unité. Vous voyez bien, je fais attention de préciser l'unité. Parce que sans unité, tout ce que tu as fait là, c'est 0. Et pendant la correction, nous sommes sans état d'âme. Hein? Voilà. Parce que je dis que tu n'as pas mis de faire la physique. Si tu n'as pas mis de faire la physique, mais tu ne fais pas. Donc, pour prendre la peine de connaître et de préciser l'unité de la grandeur calculée. Voilà. Donc, voici comment on détermine l'intensité maximale dans le circuit. Comme on l'a dit, c'est vrai, après que les gens se posent la question, pourquoi c'est le compteur au mille? Mais on a dit que c'est un circuit série. Un circuit série, il est défini par l'intensité qui traverse tout le circuit. C'est la même intensité qui traverse le circuit. Donc, il suffit de connaître l'intensité d'un dipôle et vous avez l'intensité dans le circuit. On apprécie le compteur au mille parce que lui, la tension à tes pôles est proportionnelle à l'intensité. C'est plus facile. Si vous prenez la bobine, vous aurez une dérivée. Si vous prenez le condensateur, vous aurez une intégration. Vous avez c'est des grandeurs qui sont difficilement manipulables. Voilà. Donc, voici la première partie de notre exercice. Alors, on va continuer. Alors, je garde ça, je ne sais pas si on en aura besoin, donc on va laisser ça simplement. On va passer à la question 3.5. La question 3.5, nous demandons de déterminer l'impédance. C'est la chose simple quand tu sais. L'impédance. Dans le rappel, on a dit quoi? Que l'impédance, c'est en fait le coefficient de proportionnalité entre la tension maximale et l'intensité maximale, ou bien la tension efficace et l'intensité efficace. Alors, déjà, on a déterminé la tension maximale, on a déterminé l'intensité maximale, donc c'est plus facile pour nous d'utiliser ces deux grandeurs. Donc, on va dire Z égale à U max sur I max. Application numérique. U max, on a trouvé 3. I max 0,05. On fait le calcul. 0,05. Alors là, on a deux chiffres. Donc ici, ça va faire 300. 300 divisé par 5. Je crois que ça va faire 30. Ça fait 6. Ça fait 60. Voilà. Donc voici l'impédance. Toujours, il ne faut pas oublier l'unité. L'impédance, comme le compteur mix, s'exprime en ohm. Pour terminer cette partie 3, nous avons le 3-6. L'étude demande de déterminer la phase. Ah, regardez la phase, on dit la phase de U par rapport à I.
j'ai défini là-bas, il dit on a la phase de U par rapport à I, ou bien la phase de I par rapport à U. Cela donc va dépendre de l'expression de U. Vous avez comment ici le U est écrit. Graphiquement, pour déterminer la phase de U par rapport à I, il faut d'abord vérifier ou bien savoir quelle est la grandeur entre la tension et l'intensité, laquelle est en avance par rapport à l'autre. Alors, pour savoir quelle est la grandeur qui est en avance par rapport à l'autre, on a dit que la courbe B, c'est celle de la tension. Je mets là, je dirais que c'est de la tension. La courbe A, c'est celle de l'intensité. On a dit ici, je vais passer. C'est vrai, c'est la tension monotonique, mais c'est aussi l'intensité. Parce que les deux sont proportionnels. Donc, la courbe B, c'est de la tension, et la courbe A représente l'intensité. On demande de déterminer la différence des phases. J'ai dit que pour trouver cela, il faut donc savoir laquelle des deux courbes là est en avance par rapport à l'autre, ou bien en retard par rapport à l'autre. Alors, cette courbe elle est très facile à déterminer. Il y a plusieurs manières. Nous sommes là sur l'axe de l'abscisse, c'est-à-dire l'axe de temps. Nous partons de la gauche vers la droite. On regarde la première courbe qui apparaît sur l'écran. Nous constatons que c'est la courbe B, c'est-à-dire la courbe de la tension. Elle apparaît d'abord sur l'écran. Et après, apparaît la deuxième courbe qui est celle de l'intensité. Je reprends. Vous partez sur l'axe des abscisses, qu'on appelle l'axe des temps. Et nous lisons de la gauche vers la droite. Nous constatons que la courbe B apparaît avant la courbe A. Alors nous disons que la tension U est en avance par rapport à l'intensité. Je reprends. La tension U est en avance par rapport à l'intensité. Parce qu'elle apparaît d'abord sur l'écran. Et à un moment donné, l'autre coup apparaît. Il faut bien faire attention. Il y a plusieurs manières. Alors, on peut aussi regarder les deux sommets. On peut aussi regarder les deux sommets. Ça dit que les deux massements. On regarde là le massement de la tension et le massement de l'intensité. On voit bien que la courbe B atteint son maximum et après, la courbe A atteint son maximum. Alors, nous disons que la courbe B est en avance sur la courbe A. Conclusion, U étant en avance sur la courbe, sur l'intensité, alors, c'est des logiques qu'il faut savoir, donc je les reprends ici. Si U est en avance sur I, vous pouvez voir I, alors notre phi de U par rapport à I est positif. Je reprends. Si vous constatez sur la courbe que U est en avance sur l'intensité, alors la phase de U par rapport à I est supérieure à 0. Si vous avez cette grandeur, nous disons que le circuit est purement inductif. Alors, c'est une notion qu'il faut aussi avoir. On dit que le circuit est dit inductif. Parce que souvent, on peut vous donner le circuit, on vous demande de donner, n'est-ce pas, le nom de ce circuit ou bien la caractéristique principale du circuit. Donc là, nous avons un circuit qui est purement inductif. Ça veut dire que l'inductance prime sur la capacité. Alors, dans notre cas ici, on voit bien que U est en avance sur I, alors phi sera positif.
On va revenir là-dessus. Si U est en retard par rapport à I, alors phi de U par rapport à I est inférieur à 0. Ce n'est pas ce cas-là. Je fais ça pour vous rappeler simplement que si on avait ce qu'elle a, c'est-à-dire U en retard par rapport à I, alors phi est inférieur à 0. Nous disons que ce type de cycle est dit capacité. Ce type de cycle est dit capacité. D'accord? Alors, c'est le sujet qui vous a bien noté. Évidemment, on a dit U en avance, sur I, U en retard. Mais on peut aussi avoir que U et I arrivent au même moment. Et ça, c'est l'objectif du physicien. Il faut avoir un circuit qui permet, n'est-ce pas, d'avoir la tension au niveau du générateur qui arrive au même moment que l'intensité qui est la réponse. En ce moment, nous disons que ce type de circuit est résonant. Ce type de circuit est dit résonant. Alors, je mets ça là. J'espère qu'on n'a pas besoin de ce que je passe pour terminer notre exercice. Bon, je vais regarder ce qu'il y a là. Donc, si U, U et I, on dit que U et I sont en phase, d'accord? Si U et I sont en phase, c'est-à-dire que phi, en ce moment-là, phi égale à 0. Et ce circuit-là, on dit c'est un circuit résolu. Ou bien on dit que nous sommes à la résonance d'intensité. D'accord? Résonance d'intensité. Allez, faites attention à l'écriture. Résonance d'intensité. Ce n'est pas résonance d'intensité. C'est-à-dire que ce n'est pas AI. Ici aussi, ce n'est pas 2N. C'est bien résonance d'intensité. Alors, je le dis parce que dans divers examens, quand on corrige, on donne 0 aux enfants parce qu'ils n'arrivent pas avec les pays et ce. Donc, voici donc les trois cas qui peuvent arriver dans un circuit électrique. Soit U est en avance sur I. On dit que le circuit est inductif. Soit I et U est en retard sur I, on dit que le circuit est capacitif. Soit U et I arrivent au même moment, on dit que le circuit est résolu. Notre cas ici, nous sommes dans le premier cas. D'après nos deux couples, U est en avance sur I, c'est-à-dire phi est positif. Alors, si phi est positif, voici son expression. Donc, phi de U par rapport à I, ce qu'on a donné là-bas dans la partie rappel, qui égale à 2 pi tau sur T. Phi de U par rapport à I égale à 2 pi tau sur T. Plus on a défini le tau, le taux, c'est quoi? C'est le décalage horaire. Le décalage horaire entre la tension et l'intensité. Le T, on l'a défini, c'est bien la période. Le temps pour que la même chose puisse se reproduire. Alors, on va retourner à notre figure. Pour déterminer le taux. On a dit taux, c'est le décalage horaire. C'est-à-dire que la tension est apparue, à un moment donné, l'intensité apparaît. Donc, le temps entre les deux apparitions, c'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, le taux. Nous avons là, sur la courbe B, c'est-à-dire la tension, qui arrive à ce point. Nous sommes sur l'axe des temps. On regarde, on voit que
La deuxième courbe apparaît après. Donc, on compte le nombre de divisions entre les deux apparitions. Ici, on va mettre entre les deux, nous avons une seule division, c'est-à-dire un seul carreau. Donc, notre taux ici est égal à un seul carreau ou bien une seule division. Le T, ça avait déjà été défini. Le T, on dit quoi? C'est le temps d'apparition, n'est-ce pas, de la même grandeur, de la même valeur. On a pris ce point, on parcourt la courbe, on arrive à la fin là. On voit que les deux points là se ressemblent. Et je pense qu'on l'a déjà fait et que ça a bien compris. On compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. D'accord? Alors, donc, je vais passer ce qu'il y a. J'ai retenu ça à 0,05 parce qu'on aura besoin en bas à 0,05. Donc, on va remplacer tout simplement. Alors, vous voyez que là, j'ai enlevé la valeur absolue parce que j'ai vu que le phi là est supérieur à 0. Donc, j'ai plus besoin de la valeur absolue. Si on était dans le deuxième cas où phi est négatif, alors je suis obligé de mettre là un signe moins. D'accord? Donc, application de l'idée. Nous avons notre phi de pi par rapport à i, qui est égal à 2 pi par tout. Pour l'avoir augmenté, on a augmenté une seule division, donc je mets 1. Le taux, si on a augmenté, 10 divisions, donc je mets 10. Là, je vous ai fait un sûr, il faut dire que, vous voyez bien, j'ai dit là-bas que le taux c'est un temps, ça veut dire que normalement c'est en secondes. Le taux aussi c'est un temps, et c'est aussi en secondes. Mais comme là, on a un rapport de temps, donc je ne suis pas obligé de convertir le 1 là en secondes et le 10 aussi en secondes avant de faire le calcul. Je peux laisser ça comme ça parce que c'est un rapport de temps. D'accord? Alors. Je peux bien c'est l'écriture que de mettre 10 puissance, 3, 10 puissance pour machin pour se partir. Donc on calcule ça. Alors, je vais écrire tout petit. Là, je vais mettre la valeur de moi. On a donc 2 pi fois 1 sur 10. Alors on va ici, on va passer comme ça, hein, on ne va pas qu'on ne va pas prendre la machine. Alors, 2, 2 c'est pas. On va simplifier, d'accord, 2 et 10, donc ça va nous faire pi sur 5. Pi sur 5, on va dire comme ça, d'accord, et on doit simplifier, on dit que phi est en radian. Voilà. Donc voici la valeur de la différence des phases entre U et I. Ça, c'est la question 3-6. Alors, donc il faut bien noter ce que je dis, parce que c'est très important. Ici, on a la première partie parce que c'est le cas que nous avons traité. Mais il peut arriver que nous soyons dans le deuxième cas. Il peut aussi arriver que nous soyons dans le deuxième cas. D'accord? Ok. Alors, la dernière question de l'exercice, c'est la question 4, qui est très intéressante. On demande de donner l'expression de I en fonction de T. Si vous avez une bonne mémoire, dans la partie rappel, alors, je fasse ça. Bon, je vais passer à l'exercice. Je pense que c'est d'habitude. Alors, bon. Je rappelle, encore une fois, parce que là, il faut bien noter. J'ai dit que si dans l'exercice, on vous impose, parce que ça vous dit imposer, la tension imposée par le générateur. Donc si on impose U qui est égal à UM cosinus oméga T, alors si on vous demande de donner l'expression de I, I égale à IM cosinus de oméga T plus phi. Bon, je l'ai bien dit. Vous voyez très bien que c'est notre cas ici.
Dans les îles, ils ont donné une égale à UM cosinus oméga t. Automatiquement, je dois te dire que le I va s'écrire comme l'équation nous donne. Si les îles avaient imposé I qui est égal à IM cosinus oméga t, alors le I égale à UM cosinus oméga t plus 1. C'est les deux écritures qu'il faut mettre ici. Très bien. Donc, on revient à notre question. Ici, les îles nous demandent de déterminer, de donner l'expression de l'intensité I. Alors, on prend quel cas? Nous sommes alors dans le premier cas. Puisque U est écrit UM cosinus oméga t, alors I, c'est donc comme ça. Donc, je reviens à ma question 4. Donc, mais I est égal à IM cosinus oméga t plus phi prime. Je l'ai dit là-bas, pas que ça me déchappe. On a dit que phi prime est égal à moins phi. Phi prime est égal à moins phi. Et phi prime, c'est quoi? C'est la phase de I par rapport à U. Ah, c'est la phase de U, de I par rapport à U. Et l'autre, c'est la phase de U par rapport à I. Donc, vous voyez. Or, dans l'exercice au départ, on a déterminé la phase de U par rapport à I. Donc, la phase de U par rapport à I. Ça veut dire que notre phi ne va seulement le remplacer par l'opposé de phi de U par rapport à I. Nous connaissons déjà le IM qu'on a calculé. Nous connaissons oméga. Alors, on va simplement remplacer. Donc, on va dire application numérique. Je le mets là. Juste, c'est la même question. Application numérique. I est égal. Alors, IM, on a trouvé 0,05. Cosinus de. Alors, oméga, on a trouvé combien? Je crois 200. 200 pi. 200 pi fois t, pas oublier t, plus phi prime. J'ai dit que là, il faut faire attention, ce n'est pas ce phi, mais c'est plutôt phi prime. Les deux sont opposés. Donc ici, je mets moins. Voilà, c'était plus. Mais là, je viens et je mets moins. Donc ça fait plus pi, et pas de moins pi, sur 5. Et je ferme. Voici donc l'expression de l'intensité du courant en fonction du temps. Voilà, la question 4 est donc la dernière question de notre exercice proposé pour ce jour. Je vous remercie.